de la soie, du style et tout ce qu'il y a de pire. Tels étaient les ingrédients pour créer ce terrible duo, les Fashionistas. Bianca et Barbarus étaient les super-vilaines les mieux habillées de Townsville. Obsédées par la quête de la gloire, quels que soient les moyens de l'obtenir. Relâchées de prison récemment, elles sont déterminées à faire de meilleurs choix dans leur vie. Et elles ont une invention pour le prouver. Mais se sont-elles vraiment rachetées? Découvrez-le dans le nouvel épisode de Changement Radical. Les Fashionistas, devenues gentilles, c'est impossible. Ouais, quand on est méchant un jour, on est méchant toujours. Arrête, Rebelle, elles n'ont commis aucun crime depuis qu'elles sont sorties de prison. Tu ne peux pas mettre les gens derrière les barreaux sous prétexte que tu ne les aimes pas. Je pourrais le faire en Rebelle Sylvanie. Alors, les Fashionistas, qu'est-ce que vous avez pour nous? Je suis si heureuse de cette question. On est sortis de prison et on vient vous apporter le glamour. Et voici pour vous... le Smoji. Ça ressemble à une écharpe. Oui. Mais est-ce qu'une écharpe peut être portée ainsi? Oh! Wow! Regardez un peu ça! C'est comme un masque de ninja! Chaque Smoji est une création 100% fashionista. Et tout est là dans notre super business plan en 30 pages, complété par des graphiques, des tableaux et quelques-uns de nos selfies. Waouh, regardez ce talent pour utiliser ces diagrammes. Oui, mais quelle est leur prévision de bénéfices nets? Et pour chaque Smoji acheté, un autre sera offert à un petit chien de l'île des chiots. Pour l'île des chiots, elles doivent investir. Ah! Oh, et ai-je déjà précisé qu'ils sont tous disponibles dans notre boutique? Je veux dire... tout de suite! Je veux dire, si vous n'en avez pas, tout le monde va se moquer de vous! Alors, venez vous l'offrir tout de suite! Professeur! On peut y aller, on peut y aller! Et n'oubliez pas de prendre un selfie avec votre Smoji et ajoutez-y notre slogan. Hashtag le look, ça fait tout! Le look, ça fait tout? C'est épouvantable, ce slogan. Il est hors de question que je vous achète ça. Mais professeur! Les filles, ce n'est pas une bonne devise dans la vie. Et si c'est ce que ces Smoji représentent, alors ce n'est pas une valeur à afficher. Vous comprenez? Oui, non. Professeur. Allez, ne faites pas cette tête, les filles. Je suis certain que d'autres parents diront exactement la même chose à leurs enfants. Pas de Smoji? Vous êtes allergique à ce qui est cool? Eh bien, n'oubliez pas la réunion du conseil des élèves demain, les amis. Belle, il faut qu'on discute. J'arrive pas à croire qu'il m'ait renvoyé du conseil des élèves. Mon avenir est gâché. Tout ça parce que j'ai pas de... Smoji! Venez vite acheter le Smoji des Fashionistas. Parce que le look, ça fait tout. Tiens, 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 ne serait-ce pas les super nanas? Oh, les Fashionistas! On était en train d'admirer vos Smojis. Oui, très impressionné par votre reconversion. Non. Oui, notre passé criminel est loin derrière nous. Et pour vous le prouver, nous aimerions vous offrir un Smoji à chacune. Non, les filles, vous savez qu'on ne peut pas avoir de Smoji. Le professeur s'est montré très clair. Oh, je vous en prie. Vous écoutez les conseils de mode de votre père. Non, c'est pas ça. C'est ce que le Smoji représente. Le prestige. Chérie, écoute, si tu veux te faire une place dans le monde, tu dois t'habiller pour forcer le respect. Quoi qu'il en soit, je crois que ça nous ferait pas de mal d'avoir des Smoji si c'est pour l'avenir de la nation. Bien sûr, le look, ça fait tout! Les filles, je croyais m'être montré très clair. Je ne voulais pas que vous portiez cette chose des Fashionistas. Mais professeur, on a eu ces Smoji pour rien. Ce n'est pas une question de prix, c'est le principe. Porter leurs produits signifie que vous cautionnez leur message. Donnez-les-moi. Je serai en bas au labo et je prends ces Smoji avec moi. C'était un échec cuisant. Je vais être renvoyée du conseil des élèves. Encore.